parti, on est en live. Attends. Et alors, pas plus bas. En théorie. Bouge pas. La la la. La la la. La la la. La 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 la. Bon, je sais qu'ils ont tweeté et tout ça, j'ai mis des cœurs. Poum poum poum. J'aurais pu mettre une image en plus. Allez, on se concentre. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Bienvenue sur Backend Live. Le live, on continue nos aventures dans Dark Souls. Et nous étions arrivés à la grande bibliothèque. Où nous allons faire tout un long chemin. Un long, long chemin pour aller voir les deux frères Tapdur. Les grandes archives. Pas la bibliothèque, hein. Les grandes archives étaient bien plus grandes et bien plus jolies d'ailleurs. Dark Souls 1. Bien plus dur. Même s'il y a 2-3 trucs relous, comme le fait que si t'as pas compris que la cire ça te protégeait la tronche, tu risques d'avoir 2-3 problèmes. La la la. La la la. Ouverture des portes! Et là, en théorie, vu que le mage est juste en face, on dit fermeture des portes! Bon, c'est déjà pas mal. Quoi? Encore me toucher? Je pensais qu'à ce niveau-là, il pouvait plus me toucher. Fallait attendre un peu. Il y a eu touchette! Parle de moi.
Ouh, des éclats de titanite. Hey, salut Redou. Le retour du Modo. Le retour du Redou, surtout. Plus important que tout, le Redou. Le confinement qui te ramène au Bacchael Live. Je vais pas me plaindre, hein, mais comme moi je vais pas être confiné, c'est moins le plaisir, tu vois. Non, pas touché, non. Puis tant mieux d'ailleurs. Quand même une belle saloperie. Les poumons, tout ça. C'est déjà zéro. Bon, j'ai juste plus de temps, donc. C'est ce qu'ils me disent tous. En fait, personne ne me dit rien. Oh, tu es pas confiné. Eh ben, mes patrons décident que l'on est vital pour la nation. Et que le fait que je reste à mon travail à glander toute la journée, c'est aussi vital. Et du coup, je suis pas confiné, je vais au travail. Parce que bien sûr, les portes automatiques sont vitales pour la nation. Des portes automatiques qu'on ne peut plus produire vu qu'on n'a plus de fournisseurs. Mais c'est quand même vital pour la nation que j'aille travailler. Donc je ne toucherai pas 80% de mon salaire à rester chez moi. Et autant l'idée de toucher 80% de mon salaire, ça me fait chier. Autant savoir que tout le monde touchera 80% de son salaire à rien faire et pas moi. Ça me fait chier aussi en fait. Et ouais, je sais, si vous voulez écrire à mes patrons pour leur expliquer qu'il faudrait mieux que je reste en live et que je permette à toute la France de se divertir, n'hésitez pas. Je vous donne même leur adresse mail si vous voulez. Pas sûr qu'ils comprennent c'est quoi Twitch. Pas sûr que le fait de devoir leur expliquer lundi, ça m'amuse, mais... Attendez, on va remettre un petit peu de... Parce que c'est la cire qui aime le bacalao à couler. Alors c'est dommage qu'on puisse pas l'allumer, ça aurait été drôle. Une petite flamme au-dessus de la tête. Le bacalao à couler, le bacalao... C'est juste insupportable ici quand t'as pas ça. Déjà que c'est des ninjas, donc. Et en plus, il y a ce fichu mage qui attaque à distance depuis une zone inconnue juste au-dessus de ma tête. D'accord, elle est pas si inconnue que ça. La cire t'empêche d'être touché par ces bras diaboliques là qui te maudissent en fait. Si t'as pas la cire, les bras te maudissent en 2 minutes. À peu près. Oh, le retour de bâton, quoi.
C'est le masque contre le Corolla. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu vois, je l'ai plus et ça va mal se finir pour ma gueule. Normalement, il y en a un bassin pas loin. Faut juste se rappeler où. Où? Où trou de cul? Ta vie. J'avoue, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, tout ça, tout ça. Enfin voilà, en tout cas ça fait plaisir de te revoir mon Redou, parce que ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Live de 24h, alors j'en prévois un, et je suis en vacances le 10, 11, 12, 13 je crois, avril. Vacances qui ne peut pas décaler. Et du coup je suis en vacances le 10, 11, 12, 13 avril, et je pense faire un live de conséquence. Surtout si on arrive à avoir FF7 d'ici là. Ouais, si je tiens 12 heures, ça sera déjà pas mal. Surtout que, en théorie, je vais être fatigué avant, donc. Voilà quoi. Mais on va voir comment ça se passe, on sait jamais, hein. Surtout que on sait même pas si on aura Final Fantasy VII d'ici là, parce que coronavirus oblige, je sais pas si je l'aurai, vu que normalement là je devais jouer à Animal Crossing. Et comme vous pouvez voir, ça c'est pas Animal Crossing. Alors oui, je porte la tenue du loup, mais on est très loin quand même. Hein. Enfin, celui qui a envie de comparer Dark Souls à Animal Crossing, il a quand même un ou deux grains. Pas dire plus. Et voilà! C'est fait! Et c'est vrai que le dernier live de 24 ans, on n'était pas. Non, mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Hein. Je suis désolé, Redou. Je peux pas te soutenir dans cette campagne de.
de conneriisation de la France. En tant que personne qui pourtant te soutiendrait en temps normal, hein, pour plein de trucs, que je te le dis. Juste chute, quoi. T'inquiète pas, je troll. J'ai vu beaucoup trop de trolls de Animal Crossing ces derniers temps. C'est devenu beaucoup trop là. Et pourtant, j'aime les trolls, hein, en théorie, et je suis pas un super fan de Animal Crossing. Veux dire, c'est pas moi qui vais me suicider si Animal Crossing est pas là à l'heure, hein, en théorie, mais. En théorie, parce que en pratique, en fait, comment dire, ça me gonfle de pas avoir mon jeu, quoi. Nouvelle de Persona 5, bah Persona 5 sort le 30. Alors avec un peu de chance, on l'aura à temps, pareil. Hein. Le truc c'est que voilà, c'est la chance. À ce niveau-là, il n'y a plus que ça. Hein. N'y a plus que la chance. C'est la poste qui travaille. Et s'il reste suffisamment de gens qui ne se sont pas fait arrêter. En sachant que moi je leur jette pas la pierre, hein. Ils ont le droit de se faire arrêter comme tout le monde. Hein. Déjà parce que tout le monde a droit de prendre soin de sa santé plutôt que de prendre soin des colis.
Voilà. La rafale animique. Ah là là. Bon, je suis comme tout le monde, hein. En vérité, ça me saoule, hein. J'aimerais que tout soit normal et qu'on ait les jeux à temps et que mes livraisons se fassent normalement. Suis pas différent des autres. Suis ni mieux ni mauvais. Je pense juste qu'il est normal qu'on laisse les gens choisir, quoi. Je vais choisir une seule édition collector, tu prendrais laquelle? Au jour d'aujourd'hui? Parmi les miennes ou pas, ou en général? Alors, la réponse va pas te surprendre, c'est celle de Persona 5 que je prendrais. Mais la première, celle où il y avait le sac et la peluche. Donc Persona 5 japonais. Je sais pas si en France il y avait eu la collector avec, avec la peluche et le sac. Et le sac en bandoulière. Alors c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas pour le Bacael, mais le Bacael se balade avec un sac Atari depuis 10 ans. Un sac en bandoulière Atari. Le deuxième d'ailleurs, parce que j'en avais déjà cassé un. Pas cassé. Disons que le temps avait fait son ouvrage, quoi. Et j'avoue, le petit sac bandoulière... de l'école de Persona 5, ça me tente vraiment. Même si personne ne comprendrait la référence à part moi, quoi. Et la petite peluche Mokona pour mettre sur mon bureau. Et oui, je suis une gonzesse. Et toi, laquelle tu choisirais? Après, si c'est pour les figurines ou quoi que ce soit, ça serait plutôt celle de Nier Automata. Que celle de Nier Automata, d'ailleurs que j'ai, hein, la figurine est de très très bonne qualité pour le coup. La figurine de Nier Automata est vraiment géniale. Ouais, mets-la devant la caméra, ce sera mieux. Une très bonne qualité. Très bel objet. Et donc, toi mon Redou?
Quoique le masque de Dishonored 2 était pas mal aussi. C'est un peu dommage que j'ai une grosse gueule. Une grosse gueule. Ouais, mais la figurine n'était pas... Ah, il y a quoi dedans dans celle de Holorealisation? Je sais pas. Dans ta Fatal Bullet, il y avait deux jolies figurines. Mais bon, le jeu était quand même pas top. Bien commencé. Je sais plus où il est le prochain feu. Et là, il y a au moins. Il y a au moins 4 ou 5 casse-couilles quoi sur le chemin. Il l'a mis sur Discord. Attends, je vais aller voir après. Je trouve le feu de camp et... Et je regarde. Ouf. Je croyais que tu devais t'envoler, toi. La cage à oiseaux. Ah oui, bah oui, le point de sauvegarde est juste derrière, j'avais oublié. Il y a les trois cons et le point de sauvegarde. Donc forcément, si mon idée c'est d'aller jusqu'au point de sauvegarde, c'est une très mauvaise idée.
Ah ouais, toi t'es tout de suite électrique toi. Et tu te rajoutes un peu de magie. Alors, pas n'importe quelle magie quoi, hein. Dirais que... On passe en courant, hein. J'ai trop d'âmes pour les gaspiller ici. Ouais, je suis carrément trop d'âmes. Au revoir. C'est sympa, hein? On se refait ça? Ouh! Donc tu m'as dit sur Discord. La 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 la. Ah ouais, une petite figurine Kirito. Est-ce que je t'ai déjà montré ma figurine Asuna? Elle était pas chère en plus, elle était une trentaine d'euros. Oui, je sais, 30 euros, c'est pas forcément pas cher. Ça dépend beaucoup de qui t'es. Bon, bah ça passera pas, hein. Si? La troisième fois, c'est la bonne? Je voulais au moins tuer la magicienne. Il est peut-être bien tombé, l'autre con. Non? Elle a pas un problème la tête? Mimi tout plein, mais j'ai l'impression que la tête a un problème, ou c'est la photo, mais. Concentre sur le jeu 5 secondes, pas qu'elle.
Putain, les spécialistes en contre-coup, cette conne. Putain, non, non. Ah, parce que ça donne un... En fait, ça donne l'impression que la tête est démesurée par rapport au corps. Mais sinon, ouais, très jolie. Tu l'as pris pour la pose en maillot ou... Ah, je crois que Doué a reçu son casque de Doom. Donc il doit être en train de jouer à Doom. Lui aussi m'envoie des photos. Ah non. Pervers. L'une des premières figurines que je me suis acheté, c'est une figurine d'un anime que j'adore et qui est très orientée jeune fille dévêtue. Bon, il y a d'autres sujets abordés dans l'anime, mais c'est celui-là que tout le monde retient donc. Alors non, High School of the Dead, j'adore, hein, j'ai tous les mangas. Non, c'est un anime avec beaucoup plus de lettres et beaucoup moins facile à prononcer. La première figurine que je me suis achetée. Comme tu peux voir, les vêtements sont un problème secondaire pour elle. Alors cette jeune fille est un ange, hein, je tiens à le dire. Et donc l'anime, c'est Sora no Otoshino. La caméra ne fera pas le point. Alors pour couvrir toute sa poitrine, à mon avis, il faudrait un peu plus que 10 euros. Mais c'est un anime que j'adore en fait parce qu'il parle de d'autres choses en fait. Il parle aussi d'androïdes, il parle de religion. Et le tout en basant ça sur un anime sur un gars qui est un pervers fini quoi. Et c'est vraiment cool, c'est sympa à regarder et tout. J'ai oublié un zéro. Ah oui, voilà. Ah, bien, il manque bien 100 euros pour recouvrir la poitrine. Ah bon, voilà. On va aller vider nos âmes avant d'aller faire le reste parce que j'ai au moins 3 levels là, 4 levels même. Et ouais, voilà. Ouais. Je vais écrire sur le chat parce que Sorano Otto Imono. Un très très bon anime. Vraiment vraiment cool. Que je conseille. Surtout en ces temps d'obligation de rester chez toi, c'est intéressant quoi.
Welcome us. Very well, then take. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of disparity, elucidated by fire, lowered deep within. Farewell, May. Putain, on pourrait prendre le double katana. Le double katana, ça avait été la fête. La run au double katana. Je suis... qui est pas mal, c'est Melodia. Ah, mais là, tu me parles de Seven Sin. Ah, Seven Sin. Ou c'est un anime que je connais pas. Ouais. Et oui, c'est un bon pervers. Un bon pervers fini. Je connais. Oui, je suis un pervers. J'assume, moi, y a pas de souci. J'assume totalement mon côté pervers. Pretty, be careful. Des boobs. Plus de boobs. Ah, y a plus intéressant que ça dans Deadly Severance. Même si j'ai trouvé que y avait. Il y avait quand même quelques trucs qui allaient pas dans la série, mais. Après, moi, je suis un vieux pinailleur. Tu n'avais pas le dernier... le parchemin de... Non. Le jeu mobile Sword Art Online est avec... Ah, d'accord. Je t'avoue que le jeu mobile Sword Art Online... j'ai pas accroché, donc j'ai pas continué. Ashen One. Merde, j'en ai des flammes de... des os.